Bonjour tout le monde, bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Bon, aujourd'hui, on va démonter cette boîte. Pour la simple et bonne raison que sur la boîte du moteur qu'on est en train de refaire, c'est pas la même boîte. Ensuite, sur le DCTF, c'était pas la même non plus, quoi qu'elle doit passer, mais on va pas le tenter. On va reprendre le matériel d'origine de ce moteur, qui était à la base prévu pour être monté dans notre Clio. On va donc démonter notre démarreur, démonter ensuite en dessous le carter avec la barre de renfort, parce que sur celui-là, il y a une barre de renfort qui doit se trouver là, qui est là. Donc, au moins, on va la sortir correctement pour la nettoyer, la dégraisser, nettoyer, comme ça on remontera, on repréparera un groupe propre pour le compartiment. À moins que tu voudrais que je te le remette dans l'habitacle, si ça peut t'aider. On peut faire office de chauffage l'hiver. Pourquoi du kiosque de chauffage dans les voitures? Ah si, mais bon. Bon, non, on va remplacer le radiateur, car ça va être nickel. Ça va bien chauffer. Donc, notre objectif, démonter tout ça et commencer la préparation de la boîte. Comme ça, on pourra repréparer le groupe complet, moteur plus boîte. Ça commence à devenir intéressant. Tout à fait. Bon, quand même. Donc, allons-y. C'est parti. Alors, la boîte est démontée. Yes. Tu deviens bilingue, dis donc. Non, c'est parce que je vois que ça commence à avancer. Donc, cette boîte a été montée donc sur le moteur Clio qu'on devait monter à la base. La boîte, normalement, elle est bonne. Elle a pas de jeu, elle a pas de... J'aime bien le « normalement », t'es vachement encourageant. Je l'ai pas essayé. Mais... Mais de toute façon, même quand t'es sûr, c'est toujours « normalement ». Oui, mais bon, après, on voit ça en direct. Mais, en théorie, elle est pas vilaine. Bon, d'accord, j'avoue, elle est sale. Oui. Et souvent, à chaque fois, même quasiment, quand on a une pièce qui est crade, souvent, elle est bonne. En général, c'est ça. C'est vrai. Donc, si on part du principe où elle a besoin d'un bon nettoyage... Et changer la tresse de masse, parce que là, c'est un petit peu... Oui, bon, ça, des tresses de masse, c'est... Elle est légèrement grignotée. Par hasard, ça serait pas toi qui serais passé là-dessus, de faire les dents? Non, justement, j'allais te poser la même question. Ah non, bah non, mais tu serais bien que non, mais... Toi, oui, en général, t'aimes bien grignoter des trucs comme ça. C'est dingue, on a le même humour, ça fait peur, hein. Oui, mais bon, tant qu'on se comprend, c'est le principal. Mais en même temps, cette boîte-là, il faut nettoyer. Avec le bloc nettoyé, refait. Franchement, j'ai envie de te dire que ça ne devrait pas être vilain. Ça va être du moteur de compète. Bon, peut-être pas de compète, mais pour un moteur de 227 000 km, on va essayer de lui faire réaliser ses 450... Peut-être 500 000. Oui, parce que c'est un petit défi qu'on s'est lancé. Ouais, mais dépasser les 400 000 km avec le moteur. Je pense qu'il y a moyen. Oui, il y a moyen. Il y a moyen. C'est vrai que quand on l'avait démonté, celui-là, il tournait bien. Tout à fait. Donc, bon, après, il y aura ses entretiens. Chose normale. Mais je pense que ces 400 000, ouais, ça doit être faisable. Ça doit être facilement faisable. Il tourne bien. Et franchement, quand tu regardes le bloc, il est propre. Donc, si tout est correct... C'est génial. Donc, maintenant, qu'en dis-tu si on se met au nettoyage? Ben, c'est parti. Allons-y. Nettoyage de la boîte. C'est parti. On y va. Bon, bah alors, qu'est-ce que tu nous fais de beau? On est en train de nettoyer la boîte. Encore ouais, bon. Du nettoyage. Bon, c'est vrai que la cloche de boîte, elle est un petit peu sale, mais... Ouais, là, ça n'a rien à voir comparé à tout à l'heure. Bah ouais, c'est pour ça qu'on est obligé de faire des finitions dessus, parce que nettoyer, dégraisser, c'est les dernières tâches qui nous restent. Donc bon, ça, en même temps, ça commence à sentir bon. Repose de la boîte sur le moteur. Ah, ce qui est bien avec toi, c'est que ça sent toujours bon. Ah ouais. C'est terrible, ça.
Pourquoi tu préfères mieux que ça sent mauvais? Non, mais tu me fais rire. Oh bah il faut bien qu'on rigole un peu quand même. Bon, après je sais que là je vais finir les peintures. Tel le cul de boîte. On l'a démonté parce que bah voilà, il fallait le refaire. Donc bon, c'est ce que je vais faire après. Sinon, notre boîte, elle se nettoie. Elle est propre. Elle est nickel. Il y a quand même trop photos comparées à ce que c'était au début. Non, franchement, bon, je pense qu'on va remettre une petite photo pour faire voir ce que la boîte était dans ses débuts. Ah oui, quand même. Maintenant, le principal, c'est que ça soit quand même beaucoup plus propre. Et en même temps, ça nous permet aussi de vérifier l'état de la boîte. Mais franchement, c'est une bonne boîte. Donc tu vois, elle nous paraissait sale. Et en finalité, une fois nettoyée, cette boîte de vitesse, elle devrait fonctionner magnifiquement bien. Enfin, j'espère, parce que vu le temps qu'on a passé dessus, quand même, ce serait triste de devoir repréparer une. Par franchise, j'ai pas compté les heures. Non, c'est vrai. J'ai pas compté les heures. Mais là, on voit quand même que le résultat il est correct. Franchement, bien. Bon, donc on va peut-être tous s'y remettre. Puis Tout à fait. maintenant, donc pour toi, c'est étape continuation du nettoyage. Moi, j'ai bientôt fini. Je te l'ai dit, toi. T'aurais dû être dentiste. C'est ça le truc, toi, ça t'éclate. Bon. Et puis moi, bah, je vais aller refaire de la peinture là pour une nouvelle session, on va dire. On puisse enfin réaccoupler ce moteur boîte. J'ai hâte de le reposer, moi. Oui, moi aussi. Pour ensuite arriver à notre étape suivante, celle-là, j'ai hâte. J'ai hâte. Un petit coup de... Comment dire? Soufflerie. Soufflette. Soufflerie. Ah! D'accord. Non mais tu sais, c'est qu'un compresseur avec oh, une soufflette quoi. Oui, voilà, bon, poussière, écoute, on est dedans depuis un moment, donc voilà. Un petit coup d'air, on va dire ça comme ça, si tu préfères, et Oui. je pense qu'elle est bonne. C'est vrai que quand Toutes les tu vis, elles ont regardes. été nettoyées Ouais, aussi. bah, ça va. Tant qu'à faire. Bon, toi, ça t'éclate aussi alors la brosse. Oui. La brosse à papy, toi, ça t'éclate. Ouais, elle va bien. Ah bah, c'est nickel. Bon. Allez. On y retourne. Nous voici à la dernière étape avant le réassemblage du moteur et de la boîte. Exactement. Super, on va enfin avoir un moteur qui ressemble à un moteur. Exactement. Et ça, franchement, on se rapproche petit à petit, tout doucement, de notre étape façade avant. Alors, je suis fan. Ouais, moi aussi. Alors, on a retrouvé des. Enfin, c'est pas qu'on a retrouvé, on avait encore des éléments de compartiment moteur à repeindre. Donc, du coup, d'une pierre deux coups, on fait tout en même temps. Au moins, ça sera prêt pour le réassemblage du compartiment moteur. Exactement. Voilà. Comme ça, au moins, pendant le temps où ça va sécher, bien sûr, on va éviter la poussière. Bien sûr. Mais C'est ça le ne nous plus simple. empêchera pas de pouvoir remonter le cul de boîte. Sur la boîte et le moteur Ça, c'est sûr. sur la boîte. Oui, ça sera une bonne étape. Oui. Ça, je vais adorer. Bon, là, on le voit pas très bien, mais oui, il est là-bas, le fameux Oh, moteur. il est un petit peu caché. Il vaut mieux Et. éviter les brouillards quand même avec la Ah peinture. ouais, c'est sûr que t'es du bleu. Alors, franchement, il y a une chose aussi que j'adore. C'est qu'on va aussi enfin Pouvoir pouvoir nettoyer. nettoyer notre sol. Après ces étapes de repose, après ces étapes de peinture, après ces étapes de nettoyage, un bon coup. Et ça va faire du bien de nettoyer un bon coup. Rangement, nettoyage par le vide. Ah, la bonne heure. Super. Bon, bonne peinture. Bah merci. Et donc du coup, maintenant, toi, t'es hors pot. C'est ça. Petite pause de 5 minutes, le temps que ça se finisse. C'est Bon, bientôt fini. bah tout à l'heure. À tout à l'heure. La boîte est terminée. Ça, c'est cool. A été entièrement nettoyée.
On a remonté le cul de boîte. Niveau propreté, il n'y a plus rien à voir avec ce que c'était la dernière fois. Non, ça c'est sûr. En même temps, là, on va s'apprêter à... reposer donc, sur le moteur. Voilà. Refaire l'assemblage de la boîte sur le moteur. Donc, surtout, quand on remet la butée, toujours bien veiller au graissage des cannelures et de la queue de boîte. Ça, important. Comme ça, au moins, ça coulisse bien. Et au moins, ça bouge pas. Et aussi, ça rallonge un peu la vie de notre embrayage. Embrayage qu'on a reposé, donc on avait fait un comparatif entre nos deux embrayages. Donc, bon, c'est un petit mix des deux, en fait. Mais, celui-là est nickel. Donc maintenant, il est à savoir aussi que il faut toujours bien centrer le disque à l'intérieur du mécanisme. Comme ça, après, bien graisser les cannelures, comme ça, on sera bien pour dire de le replacer. Tout à fait. On va pas galérer, rien. Ça devrait aller tout seul. À savoir que ce disque ici, bon, un bon nettoyage, certes, ce serait imposé, mais en mesurant avec un pied à coulisse, il était un peu moins épais que celui qu'on a replacé là. Et celui-ci, il était beaucoup plus propre en extérieur, mais problème, il a bleui ici. Donc, que ce soit intérieur comme extérieur. Donc, c'est pour ça qu'on a préféré reposer cet embrayage-là que l'autre. Voilà. Comme ça, au moins, on repart vraiment sur des bonnes bases. Bon, du coup, on va pouvoir le remonter, ce moteur. Maintenant, ça va être notre petite gymnastique. Allez, de bon petite matin. Petite gymnastique quotidienne. Allez, on y va. C'est parti. C'est parti. Moteur boîte, c'est terminé. Ça, c'est bien. C'est une bonne chose. Alors maintenant, on a assemblé donc boîte moteur. Notre groupe est donc prêt à être réinstallé dans le compartiment moteur. Donc notre boîte, elle est reposée donc avec ses équipements. Le capteur PMH, le démarreur. Bon, comme ça, bon, bah ça c'est le faisceau, on le reposera. Il ne reste qu'à le raccorder avec le faisceau du compartiment moteur. Donc ici, bon, il ne manque que le carbu, le papillon, peu importe, c'est ancienne génération, nouvelle génération, en même temps c'est une injection monopoint. Donc là, notre alternateur, c'est bon, la distribution, c'est bon, le support moteur, c'est bon. Ensuite, notre direction assistée, c'est bon aussi. Donc, tout est prêt. Bon, il ne reste que le support moteur côté boîte. Mais ça, c'est plus simple à réinstaller dans le compartiment moteur parce que... sinon, au passage, ça va être compliqué. Ouais. Sinon, après, c'est pareil, on va abîmer ce qu'on a fait au niveau du compartiment moteur. Donc, c'est pas le but. Mais, enfin... on est prêt pour la repose. Alors franchement, ça, j'adore. Qu'en penses-tu? C'est cool, encore une chose de faite. Une bonne chose. Mais... une grosse chose, parce que la mécanique, ça prend du temps. Bah t'as vu, mine de rien, on a passé facilement une semaine à tout refaire. Une semaine, c'est pas rien. Non, c'est sûr, mais bon. Après, c'est la mécanique. On sait que forcément, ça prend plus de temps. Ça se fait pas en un jour. Mais quand on a les pièces. Ouais, par quand exemple. On a les pièces disponibles, quand il n'y a pas de problème ou autre. Mais au moins, on peut se dire qu'on a fait ça correctement. Donc là, on verra ça à la repose. On pourra l'entendre tourner.
Donc en résumé, pour la face avant, il nous reste le compartiment moteur à rhabiller. Ouais. Et le moteur à reposer. Voilà. Et en fait, l'habillage du compartiment moteur, bah, ça va être facile. Dès le moment où le moteur il sera installé dedans, bah, il ne restera plus qu'à reconnecter les durées qui nous restent, le faisceau qui nous reste, etc. Mais sinon, de ce côté-là, nous, on sera prêt. On sera prêt. Donc on peut dire que c'est une affaire à suivre. Exactement. Affaire à suivre dans la prochaine vidéo qui sera la pose de ce moteur dans le compartiment moteur. Enfin. Super. Là, j'adore. Allez. Affaire à suivre. Affaire à suivre.